Hello les amis, voilà, on se retrouve dans un nouvel épisode et la fin de la série, les amis, de God of War. Donc du coup, on continue notre aventure, les amis. Je pense bien que ça va être la fin des temps, la fin de notre, comment je peux dire, vie dans ce jeu. Est-ce que Kratos va mourir? On ne le sait pas, les amis. Mais le plus important est qu'on réussisse à gagner ce combat contre Odin. Du coup, avec cette musique épique, on continue à exploser des ennemis, les amis. Parce que nous, on est forts, on est des grands, on est des téméraires. On explose tout ce qui a explosé. Parce que nous, on est Kratos. On est tous des Kratos. Et pas Kratos, mais Kratos. Je m'en fous qu'Oncle Poda est là-bas. Quel est le plan suivant, frère? Qu'est-ce que j'en sais, mon frère? Nous nous concentrons sur les machines de guerre. Ouais, espèce de machine de guerre. Celle-là, c'est une machine de guerre. Pam! Je m'en fous, Andouille. Il y a sa part de tous les côtés, les amis. Quel bordel! On n'en peut plus. Oh, va se calmer, lui. Tiens, mange mes lames. Les lames de Kratos, les lames de la victoire ultime. Voilà, je te coupe en deux. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel encore? Vas-y, oui, t'inquiète mon frère, enfin ma soeur. Et ça y est, Monster Hunter in the floor. Il n'y a plus du Resident Evil. Il y a seulement du Monster Hunter, les amis. Même si je sais que ça va être chaud. Et j'ai peur que ça soit la fin de Kratos. Vu comment l'histoire s'est mise jusque la fin. Donc on verra, les amis, on verra. Oui, même lui vient nous aider. Ouais, c'est sûr. Thor, il va se battre avec lui et nous, on se casse tuer des mortadelles. On va tuer des Resident Evil. Non. Tiens, R3 dans ta face. Bam. Toi, vas-y, va voir ce qu'il y a en bas de la falaise. Allez, casse-toi. Et arrête de vomir, ça te sert à rien. J'kiffio ça que t'es. Ou j'kiffio ça. Encore ces casse-pâles, vite, elles arrêtent plus. Continue, continue. Au moins cette armée-là est déjà morte. Ouais. Vas-y, casse-toi aussi. Du Valhalla dès que nous les tuons. Ah ok, merde. Oh purée. Non. On peut dire adieu au renfort d'Alfheim. Merde, Malfheim, c'est foutu. On est en train de perdre tous les renforts, les amis. On sait plus quoi faire. Les grands géants sont venus finalement. Ouais. Le serpent a changé. Oui, il est différent. Mais quand j'étais parti. Oublie ça, on verra plus tard. Le lien des Ennariar au Valhalla. Mes sœurs et moi devons le couper. Va. Toujours. Vas-y, Valkyrian. Sindri ne nous lâchera pas. Nous devons. Bashkiri. Elfa Kosser, t'es un peu chiant, toi, il me semble. Hein. Vas-y, plonge dans le Fakoressage. Espèce de Fakosser maudit. Oula, c'est qui? Ah, le voilà! Bordel, qui est monstre! Il pointe son nez. Il n'y a pas que son nez qui l'a pointé, lui. Hein. On doit faire quoi? Ah ouais, mais ça, c'est les trucs qu'ils ont construits... les nains, en fait. Vous vous souvenez, les machines qu'on était avec Odin? Ben, c'est ça, en fait. Voilà, finish him. C'est plus ou moins ce que tu voulais. Bordel, les yeux rouges qu'il a, Sandrine. Je sais pas ce que je voulais. Non. Ferme ton cœur, la douleur. Ferme ton cœur. Il n'arrive pas à fermer son cœur, mais maintenant, je pense que c'est plus le cas de fermer son cœur à la douleur. Qui sont-ils ? Des Midgardiens. Odin les héberge. Ils n'ont rien à faire là. Ils ne se battent pas. C'est vrai. Odin se sert de camarade. Je me suis un peu touché, les amis, désolé.
C'est la guerre. Ouais. Les guerres sont gagnées par ceux qui sont prêts à tout sacrifier. Oula. Il est loin, Atreyu. Qu'est-ce que tu fais ? Fils. Quoi ? Écoute-moi bien. Tu sens leur peine parce que c'est dans ta nature. Et tu ne dois jamais sacrifier cela, jamais, pour personne. Il a raison, il a raison. Écoute-moi, j'avais tort, Atreus. Ouvre ton cœur, Atreus. J'avais tort. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Je savais qu'elle allait dire ça. Je le connais trop bien, ouvre moi. Ouvre ton cœur, Atreus. Kratos. C'était le souhait de ta mère. Voilà. C'est par rapport et à la cinématique qu'on a eue avec Frey. Cette fois, nous serons meilleurs. Ça fait bizarre de le voir comme ça, Kratos, mais bordel, ce que j'aime bien, comme il est devenu. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est qui ? C'est des méchants ? Ah non, ça va, je pense. Vous avez vu la taille de ce truc ? Je pense qu'on va gagner. On sait jamais, on sait jamais, on sait jamais, parce que... Ah, parce que je pense qu'il veut nous tuer nous aussi. Pourquoi vous arrêtez ? Le Ragnarok est là. Nous avons enfin Odin à portée nous de nous. Nous arrêterons Odin. Mais nous ne voulons pas sacrifier des innocents. C'est vrai. Nous passerons le mur à la faille de Rimtur. Avec quelle armée ? Atreus et moi irons seuls. On est trop forts tous les deux. On aurait pu se casser tout le monde seul. Mais nous mourrons pour la justice, et non la vengeance. C'est la vérité, ça. Cette arme peut-elle ouvrir la faille ? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Vas-y, fais-le. Vous trouvez avec nous ? Mettez ces gens à l'abri, trouvez-leur un lieu sûr. Très bien, ce sera fait. Freya et moi ferons notre possible pour ralentir le Ragnarok. Oh, purée, l'autre, il s'énerve, l'autre, il s'énerve. Essayez de lui faire entendre raison. Odin ne s'en tirera pas. S'il s'échappe, alors je te jure. Je sais. T'inquiète. Il va pas s'échapper. Oh ! Ça, il s'énerve, il s'énerve. Il veut vraiment nous tuer à nous, en fait. C'est pas possible. Je me charge de ceux qui sont piégés. Et je te retrouve à la faille. Galo Sandrine, il les a laissés là comme des merdes. T'inquiète, hein. Mon père, il sait ce qu'il doit faire. On peut passer maintenant. Oh shit! Mais ils sont chauds, hein. Non. Non, Sandrine. Okay, je vais m'énerver. On va tout se casser ici. Venez ici que je vous pète les faces. Je suis l'ours. Winnie l'ourson ici. On m'appelle Winnie dans le domaine. Non. Pas dans le pépette. J'aime pas qu'on me chatouille le pépette. Andrine, tu vois, je ne suis pas méchant. Mais quel monstre, les amis. Quel monstre Adel. Ce Winnie l'ourson nous dit. Par le Ragnarok. Bon, c'est fini, c'est bon. Eh, ça en finit plus, bordel. J'en peux plus. Waouh. C'était moi une. Quoi ? Tu veux que je te remercie ? Non. Non. Juste... Je me fiche de ce que tu veux. Oh purée, t'es chiant, hein, Sandrine. Ce n'est pas ma faute, hein. Je veux bien que c'est moi qui a fait 2-3 trucs. Minga purée, c'est pas vrai. Quelle haine qu'il a contre moi. Wow. M'a fait peur. Tu vas bien ? Mais ma mère avait raison depuis le début. C'est la faute de ton grand-père, Andouille. Ton père et tu es là pour tous nous tuer. Non, non. Juste Odin. Oh merde. Sindri, non. C'est une amie. Les amis n'amènent pas la fin du monde aux portes de leur maison, Loki. Ben ça, c'est toi qui le dis. C'est vrai. Tu savais c'est quoi ton grand-père ? J'ai pris de mauvaises décisions. Ça t'arrive souvent, c'est une mauvaise excuse.
Ce n'est pas une excuse. J'essaie juste de me rattraper. Est-ce que Skulder va bien? Tu as pu le voir? Pourquoi il irait mal? Qu'est-ce que tu racontes? Odin a choisi de sacrifier les Midgardiens. Ouais, il c'est les a vrai. Mis le long du mur pour tenter de nous arrêter, les sachant sans défense. Il meurt dans le seul but de nous ralentir. Pourquoi il ferait ça? Parce que c'est une andouille. Pourquoi je devrais te croire? Parce qu'il a raison. Ouh, Sif. Odin est ainsi. Et ce, depuis toujours. Mère, que fais-tu ici? Qu'est-ce que... Il sacrifiera n'importe qui se mettra en travers de sa route. C'est vrai. Les Midgardiens. Ton ami. Notre famille, même toi et moi. Il est en train de tuer tout le monde en fait. Odin, il est aveuglé par la... par la guerre. C'est à toi de le faire. Mère, je ne comprends pas. Trude. Je n'ai jamais douté que tu deviendrais la plus grande des Valkyries que ce royaume ait jamais connu. Mais pas pour lui. Est-ce que tu comprends? Bien sûr. Tu te calmes maintenant? C'est bon? C'est fini? Mais notre famille... Ah, elle est morte ta famille. Enfin, elle est détruite. Sans Odin, nous pourrons en être une. Une vraie famille. Avec Thor. Ce qu'il fait est mal. Très mal même. Voilà, bon, ça va, il s'est calmé. Et toi, tu vas bien, Andouille? Il a dit que si on bougeait pas, tout irait bien. Ouais, c'est ça. On lui devait bien ça. Il faut jamais faire confiance à Odin. Tu ne lui dois pas. C'est un traître. Sans blague. En même temps, comme il est détruit, le mec, c'est normal qu'il lui doit rien. Père ne la laissera pas atteindre grand-père. On s'en fout. Alors vas-y aussi. Toi, il t'écoutera. Ouais, j'en doute pas. Es-tu prêt à aller retrouver tes semblables? Oui. Allez, c'est par Tegle, les amis. Je t'aime, maman. Moi aussi, je l'aime, ta maman. Quel con. Enfin. Bon, quoi, Sandrine, t'es encore énervé, toi? Allez, on y va. On va les scapatser des têtes, ici. Oh, purée. La faille est là, les amis. Donc on va tirer dessus. Une belle flèche en plein cœur. Ah, il faut marteler, ok. Voilà. Ouvre cette porte, Asgard maudite. Quel bordel. Tu serais pas le fils de Nathan Drake, espèce d'andouille? Où on passe, on se casse, bon aussi. Travail, fils. Merci. C'est bien. De rien. T'es qui, toi? C'est la fille d'Odin. De Thor, Gaudin. Il y en a combien ici? À 5? Non, attendez. Sif, elle est partie, donc on est... Qui est la fille? Bonjour, Trude. Sandrine. Thor-Totir. Trude. Et Atreyu. De l'Energizer, de l'Energizer. Tire-toi. Il se passe quoi? Trude, tu fais quoi? T'as quoi, Trude? Tu te sens pas bien? Trudina? Trude du... Je n'ai rien le dit, grand moi, pavillon. C'est là que nous devons aller. Qu'est-ce qui se passe encore? Merde. Hé, hey, frayeur, tu m'as fait une frayeur. Ça, tu m'étonnes. Je m'attendais pas, moi. Pas notre plus gros problème. Minga, c'est tort, merde. Retourne auprès de ta sœur. Vous devez retarder le Ragnarok. C'est mon combat. Mais je pourrais. Pars avec Atreus et le masque, ne vous retournez pas. Mon fils te fait confiance. Alors, moi aussi. Oh, purée. J'en ai plus qu'assez de toi et de ton fils.
Attends, le mec il est énervé contre nous, hein, vu que. On a tué déjà deux fils, il a peur qu'on tue sa fille aussi. Bon, Thor, écoute-moi. On a suffisamment joué, non. Toi et moi. Je vais pas me battre avec toi. J'ai la permission de te tuer. J'ai envie de m'allier avec toi. On s'allie. Vas-y, on devient pote. Merde, Yaki. Coup de marteau. Oh, il est résistant, les amis. Non! Oh shit! Il fait de la boxe, Thor, ou quoi? Il se part comme dans la boxe, le mec. Non! Merde. Il est chaudri, les amis. Le petit est convaincu que t'as changé. Trouve-le. Ouais, c'est ce que je dis aussi. Ah, c'est déjà cassé, je veux dire. Pas babassé, chacassé. Explosion de ta sœur. Mec, crevage. Non, je. J'ai pas envie de le tuer, lui, en fait. J'ai envie qu'il reste en vie. Ouh. Ça fait mal de vivre sans toi. Bam. Non. M'attrape pas, s'il te plaît. Va te coucher, laisse-moi tranquille. Tiens, mange mes poings. Bordel, mais c'est pas possible, ce mec. C'est un truc de dingue. Il n'arrête pas de nous casser les balles et de nous résister, les amis. Non. Tu as attaqué ma fille. Non. Mais non, j'ai pas attaqué ta fille. T'es fou, toi. On a aidé ta fille en douille. Ouais, dans ta face. Espèce de maudite créature. Quel bordel, les amis, je vous jure, c'est un truc de dingue, ce combat. Mais bon, ça va, on gère encore bien, même si je suis presque en train de crever. J'espère que je vais pas crever, déjà, parce que ça serait vraiment dégueulasse de me faire mourir vraiment à la fin. Même s'il a plus d'énergie que moi, il y a moyen de le gérer, les amis. Non. Il y a plus de catch ici, hein. Il y a purée, même Kratos, il n'arrivait pas à tenir le marteau. Non, mais j'ai pas envie de te tuer, moi. Arrête de penser à ça, que je vais te tuer, andouille. Non, je m'en foutais. Allez, crevage. S'il te plaît, crevage. Ne me casse pas les balages. Thorage. Non. Vas-y, tue-le, Standouille. Encore, je dis tue-le. Le tue pas. Vainque-le. On va essayer de le tuer, les amis. On va essayer. De pas le tuer, je me suis trompé. Ça doit faire mal, mon frère. Quoi? Non. Ce que tu as à dire ne m'intéresse pas. Il faut que ça t'intéresse parce que je pense qu'on peut. Je peux te sauver. Parce que si moi je te tue pas, je sais pas si. Odin va te tuer. Et je sais que tu le détestes, Odin. Wow, tout juste. Il est chaud quand même. Hein. Bordel. N'empêche que si on va voir Thor comme boss de fin et Odin, bordel que quelle fin de jeu quoi. Shit. Non. Heureusement qu'il est lent, hein, parce que franchement. Vas-y, R3 dans sa face. Spam. Voilà. Oh shit. Quel combat, les amis. Ouais, tiens. Mange. Encore. Et va caguer, un bordel. Tu vas arrêter de me casser les balles, Yakim, hein. Tu te calmes maintenant. Bon, il s'est calmé. Enfin.
Je peux savoir ce que tu attends. Ta fille et mon fils sont amis. Si tu voilà. lui fais du mal... Non, j'ai envie de te sauver, moi. Voilà, vas-y, t'es libre. Je n'en ferai rien. Donne-lui ta main, vas-y, hein, c'est bon. Tu as oublié... ce que j'ai fait, non ! Mais ? Mais que vas-tu faire maintenant ? Vas-y, viens avec nous. On ne changera pas. Nous sommes des destructeurs. Oui, mais bon, si on peut éviter, on peut éviter, non ? Purée, je pense qu'Odin va mal le prendre ce truc. Pour le bien de nos enfants. C'est vrai. Nous devons être meilleurs. Ouais. Comme il est gonflé, Kratos. Je m'appelle The Rock. Bon, on fait la paix, ami. Y'a c'est qui ça? Oh, purée. Vous discutez? Qui t'a demandé de faire la causette? Tu ne Qu'est-ce que tu veux? T'en me casse pas les balles, espèce d'andouille. Je pense, tu agis. Ouais, c'est ça. T'as pourtant rien de compliqué. Thor, casse-toi, laisse-moi avec lui. Sif savait qui tu étais. Mais je refusais de le voir. Que se passe-t-il? Tu es malade? Je Mais suis je peux prendre un jour père. De maladie? Prends ce marteau et tue je qui suis je ton père. De tuer. C'est qui Dark Vador ou quoi? Non. On se casse. Là, je me casse. Non. Oh shit! Ce n'est pas ce que je voulais. Ce n'est pas non. ce que je voulais. Maintenant qu'il s'était repenti. Non! Trude. Tout est de leur faute. Ils s'en prennent bâtard. À nous, à notre famille. Mais oui, c'est vraiment un malade ce mec, c'est un truc de dingue. Hein. Il mérite seulement de crever, hein. Franchement, quoi. Si bien servi pour soi-même. Laisse Dodan mon derrière. Votre petite fille, pourquoi? Trude s'en sortira. Je l'ai sauvé. Purée, je sens que je vais devoir du mal ici, les amis. Ça va être le bordel intergalactique, les amis, ici. Mais tais-toi. Bordel de neige. Et ça recommence. T'es passionné avec... On est contre Odin, bordel de neige. Ça va être chauderie. Mais le plus important, c'est qu'on va le battre. Enfin, j'espère. Il fait mal, hein, lui. Et j'espère qu'il va pas avoir 2-3 transformations. Hein, que... Qu'il ait qu'une transformation, c'est bon. Non. Oh shit! Il m'a fait mal là. Oui, il a tué son fils, qu'est-ce qu'il va arrêter le mec? Allez, s'il te plaît, Atreyu. Mais de lire des conneries. C'est bien que. S'il a tué son fils, il peut tuer n'importe qui en fait. Hein. Il pense qu'à lui-même. Il pense qu'à sa puissance. Et à sa mortadellance. Oh bordel! Ouh! Il est moche en plus! Oh bordel, comme j'ai valsé! Tu as déclenché cette guerre! Ouais! Non! Il n'y a pas des attaques comme ça, s'il vous plaît! Viens ici, hein! Je te casse en deux! Mange mes lames! Shit! Non! On se casse, non! Même merde, bordel de neige. Désolé les amis, mais c'est pas facile de parler en même temps. Qu'est-ce que je fais? Non. Je sais pas, j'ai bugué les amis. Oh shit. Oh. Que bordel de neige. Vous savez pourquoi? Attendez, parce que... Oh. Vous savez pourquoi je dis que... Mais bordel, je peux parler?
Espèce de rat maudit. Que j'ai dit qu'en fait... Oh merde, tout par là-bas, oui. Tout de suite. Que je suis sûr qu'il va avoir plusieurs transformations. Enfin, plusieurs combats contre lui. Parce que sa jauge, là, elle baisse trop vite. Et c'est pas normal. Donc quand c'est comme ça, moi je me suis habitué. Ouais, t'inquiète, c'est plus à droite maintenant. Je me suis habitué quand c'est comme ça, en fait, le problème subsiste que, voilà, ça veut dire que il va encore se régénérer. Et être de plus en plus puissant. Désolé si je parle comme ça, les amis, mais je suis en train de stresser, en même temps je dois parler et c'est pas facile. Parce que le gérer, il n'est pas facile du tout. Par où dois-je ? Eh merde, à chaque fois il me prend avec ce truc là. Il s'est calme. Il dit non, ça va, ouais. C'est quoi dans le. On dit qu'il est dans le catch, le mec. Il est en train de faire un combat de catch. Merde. Et tire-toi, Atreyu. Il fait non avec le doigt, comme pour dire. No finish. Et moi, bientôt, je vais te dire. Finish him. I'm win. K.O. Tiens, mange, espèce d'odin. Non. Non. Quelle esquivation. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux, hein. Tu sers à rien, au goal. Vas-y, R3. Bam. Merde. Non. Oh, shit. Merde, je le savais, je le savais. Je le savais. Ton plan était-il vraiment meilleur que le mien ? Je le savais qu'il allait me casser les balles, celui-là. Ce que tu cherchais. Ouh, là, c'est qui, ça ? Non. Ouh, pas encore. La corde. Oh, presque. Quoi, tu stresses maintenant, Odin ? Espèce de... Je casse balles. Croyais-tu être le seul à pouvoir lancer un sort d'obédience ? J'ai passé... Des hivers entiers à m'imaginer ce que j'allais te dire. Regardez-moi la peur qu'il a au visage. Je pourrais enfin te regarder et rendre ton dernier souffle. Ouais, serre plus fort. Je réalise qu'il n'y a qu'une seule chose que tu dois savoir. Quoi ? Tu n'as plus aucune emprise sur moi. Oh, c'est ma chère Frigg. J'avais oublié à quel point les ailes t'allaient bien. Mais tais-toi. L'étranglement, les amis. Oh, mon époux. Tu as toujours eu soif de connaissances. Eh bien, je vais t'apprendre ce que cela fait de tout perdre. Prosterne-toi devant ta reine. Ouais. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Tu le sais ? Ouais, c'est ça. Tu n'as jamais aimé personne. C'est vrai. Je le savais. Et c'est reparti pour un tour, les amis. Fight ! Non, c'est pas fight. Round 2. Ça y est ? Oh. Round 2. Et c'est reparti encore une fois. Allez, trois fois. Round 2. Cette fois, c'est la bonne, je pense. C'est quoi, ça ? La faille, elle est encore plus grande. Comment cela se fait ? Tu penses qu'à ça, Odin ? Non. Je ne veux plus me battre. Non. Tout ça n'a plus d'importance. Mais il veut quoi, lui ? Ton heure est venue, Loki. De quoi ? Roi a voulu me cacher ton existence, mais c'est ton destin. Champion des Jotnar. De lui quoi seul c'est... peut revêtir le masque. Ah. Lui seul peut contempler l'essence de la création. Ok. Découvrir les secrets de la vie et de la mort, mettre fin aux doutes, à la confusion. Ok. Tu es né pour ça. Mets le masque, Loki. Vas-y. Non, le mets pas. Pose-lui la question. Tu vas te transformer comme The Mask après. Le choix te revient, mon fils. C'est vrai.
J'ai confiance en toi. Que va-t-il se passer, les amis? Est-ce qu'il va le mettre? Ou il va l'exploser? Bah, d'un côté, j'aimerais bien... J'aurais aimé qu'il le mette, mais bon, voilà, ça va, j'ai compris, j'allais dire la même chose. Pourquoi tu fais ça? Parce que t'as... Après tous ces efforts, tu as choisi de tout gâcher. Mais non, j'ai rien gâché. Oh, purée, il est énervé, hein. C'est reparti pour un tour. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Comme tu veux. À l'attaque! Ouais, on est à 3 à se battre contre lui. Moi aussi. Mais mange ma lame encore une fois. Il est quoi, il est où? Je disais pris le mur. J'ai adoré ça, franchement. Comme c'est pris le mur, j'ai adoré. Vous avez entendu les bruits, frère? Je... Ah! Oh shit! Non! Ah, ah ouais, il est costaud là. Ouh! Il est chaudri, les amis. Il est chaudassin. En plus, il lui ressemble. Non! Mais c'est pas possible! Allez, prends ça dans ta face! Ouais, tes 3 balles là, on va te coucher avec tes 3 balles. Il y a 3 à 4, combien il en a? Non! Shit! Vas-y! Flèche-louille-le! Non! Non! Bon, le caballero, tu vas te calmer, toi! Quoi, ou... Autant de rhum pour donner des coups de fouet aux animaux pour courir ou quoi? Regarde ça, il est chaud d'un. Espèce de mégère travestie de Dodin. On casse les balles avec ses attaques à la con. Bon, on est déjà à la moitié d'énergie, les amis. Ça va, on gère bien. Non! Shit! Utilise les autres flèches, bordel. Esquivation! Frère, elle fout rien, elle court à droite, à gauche, elle fout rien. Elle fait quoi, Frère? Vas-y, R3, bam! Non! Ah, il est blessé à Kratos maintenant. Voilà, mourez! Les corbeaux maudits! Oh shit! Encore une troisième transformation, les amis. C'est quoi ça? Avec la lame, avec la lâche maintenant, vas-y. Ouais. Protection de mon derrière. Il est où? Non! Mais il est chaud quand même! Vas-y! Il m'énerve ces trucs. J'ai bien esquivé là, sans faire exprès, j'ai bien esquivé. Allez, vas-y, prends-toi ça dans ta façade, Ando. Ouh, tout juste. Non! Shit! Je vois plus rien, je suis aveuglé. Mais ouais. Non! Non! Et tout ça pourquoi? Ta sœur. Je m'en fous. Viens en glace. Les lames. Merde, mais il fait 3 attaques en même temps, le mec. Il lance du poison, du feu. De la glace. Bon. Oh. Ah, c'est impossible, là. Et donnez-moi plus d'énergie, non? Ah, vas-y, je vais te tuer. Il est où? Merde. J'ai raté mon attaque. Ça va. Esquivation. Non. Ouh. Shit. Chaudry. Et là, c'est quoi comme attaque que je vais faire? C'est peut-être la... Merde. La lance. Non, il va me tuer. Je le savais. Je ne sais jamais du premier coup, en fait. Il me casse les balles. Non. Non. Vas-y. Merde, il est où? Bordel, j'ai crevé, je sens. Mais je savais.
chier. Désolé les amis. Je me suis laissé emporter. Ouais ouais les amis. On va le péter cette fois, je le sens. Je le sens rage. Vas-y Odin, rêve, j'en ai marre de ta voix, de ta face. J'espère qu'après ça c'est bon hein. Rien de ouais, tout cela ne je m'en fous en douille. Et tout ça pour quoi? Merde, la lance, la lance. Lance. La lance, j'ai dit. Et je comprends plus rien, les amis. Merde. Voilà. Tiens. Mange ma lance. Énergie, ben c'est bon ça. On l'a eu, les amis. Impossible qu'on l'ait pas. Magnifique. R3. Wouhou. Tiens. Je passe des côtes. Non, pas mes yeux. Mais quel enchaînement, les amis. Là, il a rien à faire, hein, franchement. Deux dieux et un demi-dieu. Plus géant. Qui se battent contre lui. Chance, Loki. De quoi? J'aurais pu obtenir mes réponses. J'aurais pu connaître la vérité. Sur quoi? Tu m'as tout arraché. J'aurais pu crève alors. Arranger. Nous aurions pu parfaire les 9 royaumes. Vous vous fichiez des royaumes. Et ben ouais. Vous ne pensiez qu'à vous. Tu as tout détruit. Mon foyer, ma famille. C'est mon toi royaume. Qui as tout détruit. C'est à cause vous de qui toi. Avez fait ça. C'était vos choix. Vous avez tué votre fils. Non, tu ouais. te trompes. Je n'ai pas eu le choix. On a toujours le choix. C'est vrai. Vous devez arrêter. Choisissez d'être meilleur. Non, je pense pas qu'il va le faire. Pas. Je dois savoir ce qui se passe ensuite. Je ne m'arrêterai jamais. C'est rien, il est malade ce mec. Pourquoi avez-vous dit ça? Sofna. Ah, il va l'enfermer dans la balle. Tes sous. Dans le cristal. Sofna. Ethan. Sofna. Oh bordel. Sofna. Sofna. Il va l'enfermer là-dedans, quoi. Ok. Et on fait quoi avec ça? On la tient ou on... On a dans sauf un fond du monde. Bon, à Kratos, je sais pas ce qu'il va faire, mais moi j'en connais une qui va faire quelque chose. Je t'ai promis que le choix entre la vie et la mort t'appartiendrait toujours. Voilà. Fais ce que tu veux avec la vie. Joue avec, fais des jongles avec. Tu joues avec, hein, je sais pas, moi. Comme on jouait quand on était petit avec les billes. J'attends ce moment depuis tant d'années. J'en doute pas. Mais maintenant qu'il est arrivé, tu vas faire quoi? Je n'en ai pas besoin pour me reconstruire. Nous avons mis fin à sa folie. C'est tout ce qui compte. Ben, mange-la la tête. Mets-la dans ta bouche. Ben ça va, on a compris. Allez, Sandrine. Ok, ben... voilà ce qui se passe. T'as bien ensuite. Fait. Ok. Bon ben, on avait capté. Il est là. Fallait comprendre. Wow. Il veut quoi lui maintenant? Il dit on va pas se battre contre lui maintenant. Hé mec, on était potes hein, nous. On doit y aller. Ouais, bon, on se casse. Vous cherchez une sortie? Oui. Comment? C'est un truc de géant. Ah, Agbora, Agboda, bordel. Non! Vas-y, viens, frayeur! Non! Non! Tu dois y aller. Mais c'est pas vrai! Il est temps! C'est pas vrai, il va pas crever!
qu'est-ce qui s'est passé? Il est où Atreus? N'aie pas peur. Quoi qu'il arrive, je serai à tes côtés. C'est passé quoi? Mais ton destin t'appartient. C'est qui est Mortadel? Suis-le, et tu arriveras exactement où tu dois être. Ah oh, bordel, je comprends plus rien. Maman, il revient à lui. Réveille-toi, Atreus. Oui. Réveille-toi. Tu m'as sauvé? C'est toi qui m'as sauvé? Contente que tu sois sain et sauf. Oui. Où est mon père? Quelque part ici, dans le bois. Ah ok, je pensais qu'il était mort. Content de te voir. Moi aussi, je serais content de le voir. Quel épisode, les amis, quelle fin! Waouh! Digne d'un film d'Hollywood, hollywoodien. Bordel! J'ai vraiment kiffé ce jeu. Merci, bon, apparemment, ils sont tous vivants, apparemment. Enfin, Atreyu et Kratos, ils sont vivants. Donc, il n'y a pas eu de mort de Kratos. C'est ce qui importe le plus. Maintenant, il faut voir qui est resté en vie. Ragnarok, trophée obtenu. On a gagné, les amis. Bois de Hodmir. Trouvez le père. Maman, arrête, je vais bien. Ah, Trud. Loki. Je suis si heureux que vous soyez en vie. Vous pouvez pas savoir. Je suis désolé. Thor était... Il a fait de son mieux, vous savez. C'est sûr. J'aurais aimé pouvoir en faire plus. Rien ne pourra soulager votre peine. Mais j'espère que la mort d'Odin vous apportera quelque réconfort. Je l'espère aussi. Loki. Quoi ? C'était un honneur de me battre aux côtés d'un géant. Sache-le. Et moi, à côté d'une Valkyrie. Pour un temps. Ensuite, il y a une chose que je dois retrouver. Quoi ? J'aiderai Ildis Vini à guider les autres Asgardiens jusqu'à Vanaheim. Ah, c'est bien ça. Pour aider à la reconstruction. Ouais. J'espère qu'ils pourront y prendre un nouveau départ. J'espère et aussi. Oh, et toi, Trude. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Bonne chance. Ah, comme ça, on les laisse comme ça ? Ah, ça va. Merci, c'est gentil. Maintenant, elle m'aime bien, Sif. Moi aussi, je t'aime bien, Sif, t'inquiète. Bon. Après cette connerie ennuyeuse que je viens de dire, on continue notre route. C'est quoi ? Non. Huginn s'en est sorti. Ah, Huginn, il est là. Hé, ça crie, Huginn. T'es content ? T'es libre aussi ? Skulder ? Skulder ? Oui. De voir tu vas que mieux. Tu m'as pas oublié malgré le coup à la tête. Non. Tu as pris un coup à la tête. Tout ça, je ne sais pas ce que j'ai pris. Enfin, bref. Ah, je suis content de te voir. Moi aussi. Moi aussi. On dirait que tu as trouvé de quoi t'occuper. Bien sûr. Oh, ça me fait plaisir d'aider les gens. On aura bientôt des couvertures pour tout le monde et les loups de ton ami nous aident pour la chasse. C'est bien on ça. On devrait pouvoir nourrir toutes les bouches. Sans blague. Je l'espère. Ah, et merci pour tout. On serait même plus de ce monde sans toi et tes amis. Ouais, peut-être. Mais j'aurais aimé qu'on sauve plus de gens que ça. Bah écoute, malheureusement, okay. On a essayé. C'est déjà bien. Merci, Skulder. Prends soin de toi, d'accord ? Eh, hey, ouais. Tu me connais ? Bien sûr. C'est ça le problème, que je te connais. Tu fais attention à toi. Je m'en fous. Va te coucher. Il fait froid. Bon, maintenant, il y a qui ici ? Ah, le... Ah, ouais. Un verre de plus. Il y a les elfes noirs et les elfes blancs qui boivent Skull. Ensemble. C'est grâce à vous que nous sommes Skull, arrivés Skull. Juste ici. En sicilien, Skull, ça veut dire vas-y, bois, saoule-toi. C'est vrai. On était justement en train d'échanger nos propres histoires sur Freyr. Bien, bien. Où en étais-je ? Ah. Quand nous nous sommes rencontrés. Il est mort ? Je m'attendais avoir un guerrier, un stratège, un chef naturel. C'est pas La possible qu'il est mort, Freyr aussi. L'homme. Mais l'homme lui-même était. Bien différent. Bordel, c'est et pas vrai. Yeah. On a perdu des bons éléments quand même. Il était tellement chaleureux. J'aimais bien Freyr. Si séduisant a probablement aidé. C'est vrai. Et il était incroyablement charmant. Oh, ça va, ouais. Arrêtez, vous allez encore me faire pleurer.
Ah ouais, il est mort. Désolé. Je dois aller trouver mon père. Je suis désolé. Il y a ces Freya qui doit être destroy. Détruite. Freya. Que tu sois réveillée. Freya. C'était son choix. Ok. On ne pouvait pas l'en empêcher. Il nous a tous sauvés. Je ne l'oublierai jamais. En fait, il s'est fait exploser et il a tué le Ragnarok, en fait. L'avoir m'a été enlevé peu à peu. Mais je trouve le réconfort dans la famille que j'ai choisie. Ta mère avait raison. Tu as fini par maîtriser cet arc. Ah, merci. Tu es un formidable guerrier. Mais par-dessus tout, tu as un grand cœur. Et les épreuves que tu as traversées n'y ont rien changé. Je suis très fière de l'homme que tu es devenu, Atreus. Ah, je suis un homme maintenant. Merci pour tout. Par contre, j'ai vraiment... J'en suis sûr que s'il y a une suite, Freya et Kratos, ils vont se mettre ensemble. Oui, mon frère. Tu nous as fait une belle frayeur, tu sais. Ouais, frayeur, le pauvre. Moi aussi, je me suis fait une frayeur. Voyons, frayeur. Qui a eu une frayeur? Je voulais te remercier. Tu t'attendais à quoi de la part de l'homme le plus intelligent qui soit? Mais ça va, arrête de faire ce malin. Tu m'as écouté. Tu m'as guidé. C'est vrai. Et eh bien, tu es comme un deuxième père pour moi. Non, j'ai besoin que tu le saches. Bordel. Je tiens énormément à toi. Ça c'est bien dit. Aussi, petit frère. Oh. Plus tard, Mimir. C'est beau. C'est Il beau. Est bon de te voir ici, Atreus. Hey, le Facosser. Nous, on ne dit rien parce qu'on ne connaît pas encore assez, mais bon, je pense que si on a une suite, on va le connaître plus. Il n'y a plus personne. Et on est bien ici, hein. Aucun bruit. Oula. Angbora, Angboda, Gangbora. Angboda avec Fenrir, je parie. Ouais. On essaiera de trouver des petites gâteries. À moi. À toi. Oui, on le connaît. Un jour peut-être j'arriverai à te surprendre. C'est déjà fait. Il a changé l'histoire, hein, quand vous regardez. Mon Fenrir. Quel géant. Que des beaux yeux qu'il a. Tu étais entre deux bonnes mains. Mon... Ça va. Au moins, lui s'est sauvé aussi. Ouh là, ça prend les mains ici. Il se passe quoi? Merci de nous avoir sauvés. Ces deux-là, ils vont finir ensemble aussi. Hein. Que ce serait mieux aussi. J'écrivais la fin moi-même. C'est vrai. Tu Donc, elle est désormais avec nous, en fait. Enfin, vision de géant. Je l'ai déjà vue. C'est vrai. Elle voit toujours tout. Je sais au fond de moi que c'est ce que je dois faire, mais... Mais ? Mais je... Je ne sais pas comment le dire. Tu trouveras les mots, Viens avec moi. J'aimerais te montrer quelque chose. Quoi? Et toi aussi. Je ne veux pas m'immiscer. Tu es concerné. Une fresque sûrement, les amis. Une fresque qui nous montre. Le futur. Ou ce qui s'est passé, ce qui va se passer. Je suis heureux que tu ailles bien. Oui, toi aussi, père. Allez, on court, on va aller voir ce qui se passe. Alors, comment se termine l'histoire? Qu'est-ce que j'en sais? On va voir ça maintenant. Avant le Ragnarok, tu avais promis de la terminer si je m'endormais. Ah ouais, c'est vrai. Lorsque la mort arriva, elle demanda au vieil homme pourquoi il l'avait appelée. Ouais. En la voyant ainsi devant lui, celui-ci reconsidéra sa demande. Ouais. Après quelques instants, il demanda à la mort de l'aider à remettre les bûches sur son dos
pour qu'il puisse reprendre son chemin. Ok. Et il n'était pas prêt à mourir. Non. Il voulait continuer à vivre. Ouais. Il y a beaucoup de fumée ici. Il semblerait qu'à la chute d'Asgard, des morceaux du royaume ont été projetés dans les autres royaumes. Okay. Il reste peut-être quelques Einherjar dans les parages, mais ce n'est pas pour ça que je vous ai amené ici. Je savais que c'était une fresque. Il doit y avoir une fresque ici. Voilà. Tiens, mange. Je le connais trop bien maintenant, ce jeu. Allez, on va voir ce qui se passe ici. La fresque. Étitude. Ouvre les portes du plaisir. C'est ce qui s'est passé en fait, ça. C'est quoi? Mère? Deux. J'adore ces fresques, hein. Chaque fresque fois je... Jotunheim. C'est elle qui l'a détruite. Ouais. Elle voulait nous cacher notre destin. C'est sûr. Elle nous a forcés à tracer notre propre voie. C'est pour ça qu'on elle a changé. Elle s'est dressée contre son peuple. Notre peuple. Pour? Pour vous sauver. Ok. Elle ne s'ouvre pas toute. Je suis désolée. C'est pas grave. Mais au moins, on sait qu'en fait, ce qu'on avait vu dans la fresque, c'était pas la vraie. Je dois te parler de quelque chose. La vraie suite, quoi. Je sais qu'il y a d'autres géants ailleurs. Ouais. Et il faut que je les trouve. T'inquiète, je comprends. Je crois savoir où chercher, mais. C'est Kratos, il est fatigué, le ma mec. Responsabilité. De voyage. Je dois faire ça tout seul. Je n'ai pas envie de le faire seul, mais... Il le faut. Ok. Je ne saurais l'expliquer. Ils vont se divider, cela en fait. Te fait-il peur? Oui. Alors, c'est pourquoi tu dois le faire. Ok. Comme tu me l'as appris. Oui. Mais c'est un homme, maintenant. Nous avons survécu aujourd'hui grâce à ton instinct. Qui croire? Qui sont nos amis? Fils. Tu es prêt? C'est beau. Quelle complicité qu'ils ont maintenant tous les deux. C'est exagéré, hein. Souviens-toi. C'est bien, c'est bien. Notre promesse. Maintenant, Atreyu va prendre la place de Kratos. Loki s'en va. Ouais. Atreus. Reste. Atreus demeure. Très émouvant, franchement, wow. C'est très émouvant comme moment. On peut s'y faire tout pour faire brire les gens. Les musiques, les images, les trucs, voilà. C'est tout est fait pour faire ressentir toutes les sensations qu'il faut. Bon, maintenant. Ces deux-là vont finir ensemble. On a capté leur rôle. Kratos, il a capté que moi, son fils, il est grand maintenant et il faut qu'il prenne son envol. Thank you.
Impressionnant, franchement, la fin, elle est wow. Très touchant. Très, très touchant. Ça fait une belle aventure, encore une fois. Franchement, wow. Je ne sais pas quoi dire de plus, les amis. Ça fut un plaisir de vivre ce moment avec vous. Mais est-ce que c'est fini comme ça? Ouh. Il y a encore un tableau. C'est quoi ça? Eh ben dis donc, c'est quoi ce bordel? À chaque fois c'est comme ça, hein. Il y a toujours un tableau caché ou quelque chose du genre. C'est toute l'histoire en fait, le combat avec Atreyu, avec Thor. Oh bordel! Vous avez capté les amis? En fait ils sont en train de vénérer Kratos. C'est devenu un dieu, les amis. C'est un dieu, Kratos. Enfin, un dieu qui va aider les gens, quoi. Qu'as-tu vu là-dedans, mon frère? Il est choqué. Une voix. À laquelle je n'avais jamais songé. C'est vrai. Et maintenant? Il y a beaucoup à faire. À reconstruire. Et on va le faire ensemble, les amis. Oui, elle veut t'accompagner. Vas-y, dis-lui. M'aiderez-vous tous les deux? Mais oui, hein. Oui. Sans souci. Nous œuvrerons ensemble. Magnifique. Ça promet la suite. Ça promet vraiment la suite, les amis. Donc, les amis. Franchement, j'ai énormément adoré la suite. Bon, il n'y a pas eu de grand changement. C'est vraiment une bonne suite du premier, quoi. Je m'attendais pas à plus, je m'attendais pas à moins. Franchement, c'est ce que je pensais qu'ils allaient faire. Et franchement, ils ont bien fait la chose. Il est vraiment super ce jeu. Et je vous conseille de faire le premier et le deuxième, celui-ci. Parce que franchement, c'est une histoire qui est très touchante. Hein. Il est parfait ce jeu, cette histoire est parfaite. Je me demande toujours comment ça se fait qu'ils n'ont pas encore fait Sony, ils n'ont pas encore fait de film ou de série sur God of War, parce que ça deviendrait au niveau d'Avatar, hein, style s'ils font un film, avec les bons effets spéciaux et tout, ça deviendrait un truc de malade. J'espère que vous aimez cette série, ça fait toujours un pincement au cœur quand ça finit, mais une série qui finit et une autre qui commence, comme toujours les amis. Allez, à très bientôt les amis, ciao ciao.